Après trois défaites initiales, les Montpelliérains ont obtenu leur premier point avec le nul ramené de 3 avant la trêve. Désormais, le but des hommes de Roland Courbis est de remporter ce fameux premier succès après 5 journées. Mais pour ce, il faudra marquer, ce qui n'a pas encore été fait depuis le début du championnat. De leur côté, les Stéphanois sont dans une bonne spirale avec 2 victoires consécutives et occupent le haut du tableau. Mais la première opportunité, elle sera sur coup de pied arrêté par l'intermédiaire de Corniette. Un coup franc bien claqué par Ruffier d'un gardien à l'autre. Mais cette fois-ci, Ligali est beaucoup moins inspiré sur le coup de pied arrêté d'Esric. Le ballon revient dans les pieds de Mustapha Bayalsal qui ouvre la marque à la 24e minute. Subtil retourné de Kevin Monet-Paquet. Et le défenseur central sénégalais marque son premier but de la saison. Le ballon passe entre les jambes de Ben Saïd Aïni. De la réussite pour les Stéphanois. Et de la Théven pour les Montpelliérains. La tête de Congré est sortie devant sa ligne par Nolan Roux. Congré de nouveau présent sur ce corner, toujours botté par l'excellent pied gauche de Riyad Boudbouz. À la mi-temps, ce sont les Stéphanois ultra réalistes qui mènent à 0 face à des Montpelliérains qui se sont créés des occasions sans toujours pouvoir parvenir à marquer. Et cela fait 10 ans que les Héroltais n'ont plus connu un pire début de saison. Pour l'instant, le contenu est intéressant, il est meilleur, mais le résultat est toujours en la défaveur des Montpelliérains et qui vont se faire surprendre. La perte de balle de Ben Sebaïni et ensuite la passe décisive de Loïc Perrin pour Nolan Roux qui débloque enfin son compteur but sous ses nouvelles couleurs stéphanoises. Après 13 tentatives, la 14e est la bonne pour l'ancien Lillois qui avait eu un manque de réussite souvent et de la maladresse parfois. Les Stéphanois ont réalisé le break en tout cas. Esric ne trouvera pas le cadre sur son coup franc. Le cadre était trouvé par Brian Dabo sur cette tête. Mais Ruffier s'interpose magnifiquement. Ruffier sauvé également par la maladresse de Joris Marvaux à 2 mètres de sa ligne de but. Les Montpelliérains auront tout tenté mais auront buté sur un excellent Stéphane Ruffier qui repousse la tentative de Riyad Boudbouz. Ils parviendront tout de même à être récompensés en fin de partie par ce but de Marvaux. Après 54 tirs depuis le début de la saison, enfin les Montpelliérains marquent un but. Et ce sera une réaction un peu trop tardive dans les arrêts de jeu. On en restera là. Score final 2-1 pour Saint-Étienne, pour qui tout va bien avec ce troisième succès de rang. Pour Montpellier en revanche, malgré leur premier but marqué, le compteur points reste bloqué à une seule unité en 5 matchs.